Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire ma palle du mois de la fantasy 2019. Alors, ce sera ma troisième participation à ce mois de la fantaisie. C'est toujours un plaisir parce que dès la première année, ça avait été plein de découvertes, plein de partages, de rencontres aussi avec des booktubeurs, booktubeuses, avec des auteurs. Donc voilà. Je ne vais pas vous redonner les consignes, le fonctionnement. Stéphanie l'a fait en vidéo. Je pense que la majorité d'entre vous a vu cette vidéo. Dans tous les cas, je vous la mettrai en barre d'infos. Et ce que je peux faire, c'est vous mettre quand même le lien vers le groupe de ce challenge. Donc, pour ceux qui ne sauraient pas, elle nous a concocté un petit menu. Parce que je me réserve de la place pour des lectures type thriller ou historique, je n'ai pas rempli les 10 catégories de livres, vous verrez il y en a uniquement 7, mais bon, il est possible que je rajoute de la fantaisie au cours du mois. Tout dépendra de mon rythme de lecture et de ce qui peut se passer dans la vie de tous les jours. Voilà. Donc j'ai pris mon petit carnet parce que je ne sais plus les... voilà, par cœur. Donc, le premier sous-menu, on va dire, c'est lire un roman dans lequel on retrouve un animal épique. Et là, franchement, c'est Steph qui m'a donné l'idée de poursuivre cette saga en la citant, puisque Panevermore, je l'ai déjà lu, coup de cœur et chroniqué. Donc, on va pas refaire, tout de suite du moins. Donc, je choisis Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, le tome 2, L'Élixir d'Oubli, et c'est chez Bragelonne. Et comme je n'ai pas de livre bleu qui me tente en fantaisie ce mois-ci, et ben il matchera pour les deux catégories. Ensuite, la sous-catégorie suivante, c'est un roman écrit par une autrice, donc une femme. Et celui-ci, ça fait quelques temps quand même qu'il est dans ma palle, et qui me fait très envie. Donc je vais lire Le Passageur de Mel Andris, Le Coq et l'Enfant, publié chez Lynx. On est dans... ouais, je pense que c'est à moitié fantasy, à moitié fantastique, puisqu'on est plutôt sur, sur une espèce d'histoire avec des fantômes et des passeurs d'âmes. Moi, la couverture me vendait plutôt de l'horreur, mais c'est pas grave, il me fait quand même super envie. Lynx a des publications très, très qualitatives dans ce que j'ai lu pour l'instant, et j'en ai quand même lu 4 ou 5. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion de le découvrir. Ensuite, un roman qui a été adapté en série, en film, en BD, enfin ce qu'on veut en termes d'adaptation. Et là, je séchais un peu. Et puis, avec Émilie, dont je vous parle régulièrement, on s'est lancé un challenge tous les deux mois. Moi, je vais relire Harry Potter et elle, elle va continuer son avancée dans les livres puisqu'elle n'a vu que les films, je crois. Émilie, si tu passes, n'hésite pas à me reprendre si je dis des grosses bêtises. Par contre, moi, je vais les lire en VO parce que je trouve ça plus intéressant de les relire encore une fois en français. Donc, même si je les relis en VO aussi, ça me semble plus utile. Donc, ce sera Harry Potter and the Chamber of Secrets de J.K. Rowling. Et là, c'est chez Bloomsbury. C'est l'édition que moi j'adore. Faut-il vous rappeler qu'on est là dans la deuxième année de Harry Potter à Poudlard et qu'il se passe des choses bizarres. Harry est le seul à entendre des bruits dans la tuyauterie et il se passe quelque chose dans les toilettes des filles. Et voilà.
Alors après, il fallait une suite ou fin de saga. Et là, en fait, je vois trop tergiversé parce que j'ai tellement hâte de le lire, ce livre, que c'est Rebecca Kinn, le tome 6, Origine de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu, que j'ai sorti. On continue les aventures de Rebecca, sans vous spoiler. Non, sans vous spoiler. Et donc après, puisque je crois que Cassandra m'a dit que c'était entre le 6 et le 7, après je pourrais lire le spin-off donc sur Léonora, la fille de Rebecca. Alors, quand je l'ai acheté, vous imaginez l'année dernière, donc il y a près d'un an, j'ai dit à Cassandra, je lui ai dit, mais il est court par rapport aux autres. Et en fait, non, J'ai lu gagne de la place, donc moi je vais me tuer les yeux à lire ce bouquin. Parce qu'en fait, c'est écrit tout petit. Pas si vous verrez d'ici par rapport à avant, voilà. En fait, il y a le même nombre de signes, mais sur 200, pas tout à fait 300 pages, alors qu'on en avait 500 autrefois, à peu près 400 et quelques. Donc voilà. Mais bon, je l'aime tellement, ma Rebecca. Voilà. La catégorie suivante, c'était un livre écrit par un auteur ou une autrice francophone. Et je suis pas allée chercher bien loin depuis le temps que je veux le lire. Le premier tome de Elvira, donc, qui s'appelle Dead Time, de Mathieu Libé et je sais jamais son nom, Elodie Marzé. Alors c'est cette fameuse chasseuse de vampires qui fait finalement penser à Buffy avec un mélange de The Big Bang Theory. Bref, ça me vend du rêve et j'espère vraiment par contre que ça va pas me décevoir. Parce que Buffy, c'est déjà, pardon, high level pour moi. Et Mathieu me l'a vendu comme ça, quoi. Donc, et The Big Bang Theory, c'est high level aussi. Donc, en fait, il faut qu'il réponde à cette promesse. Mais... Et cette catégorie, je me suis dit... C'était de l'humour, hein, mais c'est vrai en plus. Un challenge... Sans bricasse ne serait pas un challenge fait par Steph, mais en même temps ça me va très bien puisqu'on l'a prévu en lecture commune depuis un moment avec Maïté et Émilie. Il s'agit de Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell, publié chez Casterman. Le premier tome, Lars... Non, j'arrive pas à le prononcer. Lars Arcana, où là on est vraiment dans un monde de fantasy. Ouais, low fantasy quand même, je pense. Puisqu'en fait ouais, les magiciens en fait vivent à New York et ils n'arrivent plus à regagner leur monde et il faut que Esta aille rejoindre une époque, enfin, bref, il paraît qu'il y a un petit goût de Six of Crows et comment vous dire que c'est pareil, je mise beaucoup sur ce roman parce que plein de gens l'ont énormément aimé. Et voilà, j'en attends beaucoup. Et enfin, je m'arrêterai là, ça fera donc effectivement 7, plus le bleu que je dédouble en fait, enfin, voilà. Le dernier roman de fantasy qui a rejoint ma pile à lire, sauf que je triche totalement là pour le coup, sans rentrer dans les débats, parce que c'est du steampunk, donc c'est de la science-fiction, mais tant pis. C'est Engrenage et Sortilège de Adrien Thomas, publié chez Rajo. Et outre qu'il est, il est juste sublissime, il a l'air particulièrement bien. On suit deux ados qui font partie de la même académie, mais l'un est magicien et l'autre mécanicienne. Donc, visiblement, ils sont pas au niveau de, enfin, au même niveau d'études. Et ils vont devoir s'allier malgré leurs différences en fait. Et voilà, je suis bien tentée. Un livre pour ce mois de la fantasy, sauf si jamais je me décide à en rajouter d'autres. Je sais pas, je verrai. Oui, effectivement, j'ai pas du tout envie de rentrer dans le débat parce que la première année avait été source de prise de tête un tout petit peu au début et puis Steph avait vraiment bien géré le truc entre ce qui est vraiment de la fantasy en France et ce qui n'en est pas, donc là on part plutôt sur la définition anglophone de fantasy, c'est-à-dire tout ce qui est dans ce que nous on appelle la SFFF, et eux ils le distinguent
high fantasy, où vraiment on est dans un monde inventé, et low fantasy, où c'est plutôt de la magie. Ouais, bref. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans le débat, ça me va très bien comme ça, qu'on soit dans quelque chose de plus vaste et où on se fait très, 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 très plaisir. Voilà, je regarde ma palle parce que j'ai hâte de la commencer, mais finalement, c'est dans quelques jours. Donc, dites-moi si vous participez au mois de la fantaisie. N'hésitez pas à me mettre le lien vers votre palle, que ce soit blog, que ce soit chaîne. Ça me fera vraiment plaisir d'aller voir des idées que vous avez eues et que moi je n'ai peut-être pas eues, que je ne connais pas. Et puis, on discute aussi en commentaire. N'oubliez pas qu'un abonnement, ça fait toujours super plaisir, ainsi qu'un petit pouce en l'air. Et moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!